nous allons à Sion la Cascade. Laura, tu as un mot à dire? Nous sommes arrivés à Sion-la-Cascade. On part en expédition. On va rejoindre la cascade. On verra bien ce que ça donne. Laura, heureuse, prête. Donc voilà, pour l'instant, on est trop bien. C'est sympa. Voilà, après 10 minutes de marche à peu près, nous sommes arrivés à la cascade. Magnifique cascade. Voilà, on n'est pas déçus du voyage. Laura prend des photos. Attends. Voilà, on est tout contente. Là, on va se balader dans la forêt. On va prendre pas mal de photos. Franchement, c'est beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Et les couleurs de la forêt. On se risque. On se risque à un chemin un peu bizarre. Mais c'est pas grave. On teste. Bonjour. Hey. Je sais pas, mais ça monte, c'est boueux. On voit les pieds de Laura, coucou les pieds de Laura. Je sens que ça va être dur pour redescendre, mais bon, c'est pas grave. Parce que plus ça monte, plus c'est raide. Il y a de la mousse partout. On a fait tout ce chemin pour l'instant. On est un peu dans la caillasse et dans les feuilles. Mais c'est pas grave. Ah, le chemin où j'avais dit ? Putain, pour redescendre par contre on va douiller. Je pourrais pas monter plus. Bon, désolé la vidéo mais je vais couper, je reprendrai dans un je instant. Je sais pas où on va du tout. Je vais mettre derrière moi. Là. Je sais pas où on va. On a trouvé un petit chemin. Je fais trop rigolo. Ça fait un peu flipper hein. En tout cas, ça monte. J'ai sorti les chaussures à crampons, heureusement. Attention. Oh, il y a des feuilles de partout, quoi. Je crois qu'on monte en haut de la cascade, en fait. Ah, le chemin où j'avais dit. Je sais même pas si on a le droit, en plus. Putain, pour redescendre, par contre, on va être douillé. Attends, si, il y a un truc. La vidéo, mais je vais couper. Allez. Oïs. Oh, j'ai une branche accrochée à moi et tout. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. C'est la colle. Johanna en galère. Voilà. Il n'y a rien. Oh non, ça va. On en redescend. Tout coup. Ça pour rien. Ouais. Super. Bon. Bon, bon bah, je crois qu'on va redescendre. Je peux redescendre comment moi? Je peux pas redescendre. Glisse pas. Ça va être dur parce que. T'entends pas une cheville. Parce que ça glisse cette merde. Ou alors je me salis. Non, mais attends, laisse-moi passer devant au pire. Allez. On aurait pas dû remonter jusqu'en haut. J'aurais dû m'arrêter là. Tu filmes encore. Aventurière de samedi. C'est parti, mon kiki. Il y a une pente, comme je dis. Heureusement que j'ai pris des chaussures à crampons.
Bon, tu t'en sors? Je crois qu'il va y avoir un dossier. Je sais pas pourquoi, mais... C'est bon. Voilà, tout ça pour rien. On redescend, on retourne sur le chemin. Aouh! Je m'accroche de partout, mon pull il va souffrir. J'arrive! Tu t'en sors? L'aventurière quoi. Bonjour. Voilà. Oh, tout ça pour rien, il n'y avait que dalle. Pisse. Bon ben voilà, on est redescendu du chemin. Il n'y avait rien. Laura est contente. Moi, j'ai galéré ma race. Parce que j'ai des chaussures de merde. Moi j'ai sorti les crampons. Donc voilà. Tout un chemin pour pas grand chose. Donc bon. Tant pis, hein, c'est pas grave. Allez, on va monter ce chemin en pierre. Laura s'est arrêtée parce qu'elle a la flemme. Donc voilà. Allez. On a fait une petite escapade et on est tombé sur le haut de la cascade. Voilà. Et on voit l'eau qui descend en bas. Malheureusement, on peut pas avoir une meilleure vue. Mais franchement, ça va. L'eau elle est transparente. Voilà, avec une belle forêt, Laura. L'exploration. Bon allez, je remonte. Coucou. On me voit? Oui. Bon allez. On se moque pas de ma gueule, tu m'as pas. Et là-bas. C'est très bien. Et là-bas, il y a la cascade où on était tout à l'heure. Je vois ma remonte, tant bien que mal. J'ai des chaussures de merde. C'est parti. Il y a trop de chemin de curiosité là. Viens faire chemin de curiosité, allez. En live comme ça? Vas-y, vas-y, passe. On est en direct Instagram live, non? On s'en fout. Ou Facebook live même, on s'en fout. Vas-y, c'est pas grave, je prends des vidéos comme ça. J'ouvre la marche. Même si c'est pas une bonne idée. Nous avons à gauche des très beaux arbres. On est carrément dans la couale là. J'ai l'impression d'avoir les pieds trempés. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous? Bah peut-être hein. Voilà, j'ai choisi les bonnes chaussures pour faire de la marche quoi. Regardez. Ouais. Moi j'ai pas peur moi. Ouais mais là je pense qu'on va retourner vers la rivière. On va se poser pour manger. Ah c'est un chemin défendu. Ah merde. En tout cas on est près de la rivière. Oh il y a un canard. Oh regardez il y a un canard. Un canard assez chelou. Et voilà il a pris son envol. Il a eu peur de Laura. Oh regarde il y a des baies là. Montre les baies aux gens. Tout ça. Merde. On s'en fout. Alors, après une expédition, on a trouvé un coin vachement sympathique que je vous montre. Avec Laura, elle nous l'a fait. Voilà, pas déçu de notre voyage à Silla Cascade. Donc, franchement, c'est beau. C'est bien. Avec la forêt. On est dans un cadre qui dépayse beaucoup. Donc bon, voilà. D'arriver à un endroit magnifique où on peut s'approcher des petites cascades comme ça là. C'est trop beau.
j'en veux pas. Elle est froide. C'est magnifique. On va faire des photos ici, ça va être trop beau. On est arrivé sur une table de pique-nique. On va sortir la bouffe. Il est midi passé, Laura prépare sa bouffe. Voilà. On est à côté de la rivière. On mange tranquille, posé, comme des poneys. On est bien. Et cet après-midi, on va faire le panorama. Et si on a le temps, on va peut-être visiter le château. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Voilà, on a fini de manger. Là, on va se faire une expédition pour aller voir le panorama. Pour l'instant, c'est que des plaines. Il y a des gens au fond là-bas. Ils sont en train de bouffer. Oh putain, le chien il fait peur. Il m'attaque pas, hein. Non, il veut s'amuser. Je suis gentil. Ah mais ça. Tant que c'est ça. Laura s'est fait attaquer par un chien. Ah, moi, t'as filmé à ce moment-là ? Oui, j'ai filmé, c'est en train de filmer là. Du coup, voilà, bon ben, on se retrouve tout à l'heure au panorama. Allez, bisous. Coucou. Hey. Nous sommes toujours en train de marcher. Direction le panorama. Ouais, on va voir le panorama de la cascade. On va voir ce que ça donne. Déjà que la cascade était magnifique. Donc un panorama, ça va être mieux. Ouais, je pense. On va voir, là, on est toujours en train de marcher. Hein, je vous montre. Au passage, Laurent s'est fait attaquer. Hein. Je me suis fait attaquer par un chien. Apparemment, il voulait juste faire le beau. Hein. Apparemment. Alors, il a couru comme un abruti pour s'arrêter pour moi. Ouais, c'est un... Voilà, on commence à prendre un chemin un peu... Un peu fait. Ça dépayse, quoi. La plaine. Ouais. On dirait la plaine de Bambi, tu sais. La plaine de Bambi, elle m'a sorti. Quand la maman, elle fait attaquer par le chasseur. Et genre, boum, ben, y a plus de maman. Ça, c'est l'histoire. Ouais, toujours. Toujours de belles histoires. Et de belles années. Bon, à part ça, t'as spoilé pour ceux qui n'ont pas vu Bambi. Désolé, bah écoutez. Si vous n'avez pas vu Bambi, vous êtes vraiment des merdes. Bambi. Il manque pas pour le lapin, mais à part ça... Bon. Oh, c'était pourri. Aïe. Putain, oh, je vais avoir les ongles. T'inquiète, j'ai de quoi dans le... J'ai la trousse de secours. J'ai des petites écratignures. Bon, c'est pas non plus la folie. De... Non, mais en même temps, t'as les jambes dénudées, quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien, je suis folle. Je suis aventurière jusqu'au bout. Pas peur. Pas peur, mais un peu quand même. Non, j'ai ouais. Vidéo pour montrer qu'on est arrivé dans un beau... Une belle vue de la cascade. Kuna Mtata. Magnifique. J'adore. J'adore. Knorr, j'adore. Limite, une ville fantôme. Ouais. On se croirait dans Walking Dead, quoi. Y'a personne. Personne, tout est fermé. Des bruits chelous. À part ça. Il y a personne dans le restaurant, il y a trois pèlerins quoi, qui se courent après. Ouais, il y en a deux. C'est vraiment... Regardez, c'est mort. C'est beau, mais c'est mort. En plus, là, regardez, marqué rue du marché. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Limite, je... On dirait que quelqu'un découpe un morceau de viande. Ah, un scooter. Oh, il y a quelqu'un. Un scooter. On dirait un village, non, vraiment. C'est que des vieux. Il n'y a vraiment personne, quoi. C'est impressionnant. Bon, déjà, il y a un peu plus de voitures, c'est qu'il doit y avoir des gens. Ils sont tous à l'intérieur, quoi. Les gens sortaient, je crois. Ils sont tous renfermés. Bon, après, ils doivent vivre à l'ancienne, peut-être. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Il y a une baguette de pain, pourri.
sur le petit chemin, avant nous c'est la même. On est plus dans. Non. Le chemin. La porte de la perso. Il s'appelle Gabriel. C'est quoi ces petits trucs qui picou là? Les portes de ici c'est. On se croirait dans Fort Boyard, wesh. Sors, je te dis, sors! En tant qu'elle. On sait même pas où est le chapelet. Oh, il y a une poule! Ah, oh, il y a des poules! Comme la poule. Tu verras. Je sais pas si on a le droit de rentrer là. Mais... Bonjour les poulets. Oh, ça pue. Il y a des poulets, ils sont là. Salut, vous deux. Vous êtes perdus comme nous? Bon, elles n'ont pas l'air très gentilles. Il y a un petit chemin là. C'est tentant, mais on bon. Entend le. On entend le bruit d'une cascade ou d'une rivière. Mais c'est là où on est tout à l'heure, je pense. Ah, tu crois? Bah, après, il n'y a pas de rivière. En plus, c'est chez des gens, je crois. Il y a des tables. Bon, bah. C'est vide de chez vide, quoi. Ça donne pas trop envie. Lequel rivière, lui? Bah, c'est paumé, quoi. Ah oui, c'est la cascade qui est là. On les a tout à l'heure. On était là tout à l'heure. Ou alors, c'est un autre petit bout de lac. Parce que ça a pas l'air de trop rejoindre. Ou alors, il est très très vite. En fait, je crois qu'on a fait le tour, en fait. Je sais pas. Et là, il y a une table de pique-nique, bien, c'est ce stade-là. Ouais, je suis là. Dans la forêt en plein kangourou, en plein champ. Je crois qu'on a fait la route tout à l'heure en voiture là-bas. À la visibilité de tous. Et le château, il doit être. C'est un petit château. C'est ça là, non? Bah, je crois, mais alors ça donne pour vie. Je crois que je préfère le truc. Regarde, il y a les. Tiens, regarde, il y a une sorte. C'est ça de... le château, regarde. Il y a des tours et kiki. Mais je sais pas si c'est pas. Il n'y a pas des habitations dedans, quoi. C'est pas un truc que tu peux visiter, je crois. C'est juste. Bah, si, justement, c'est leur profit, non? Bah, bon. Non. Je sais pas. Bah, je sais pas. Vu la tête du château, ça donne pas. Pas très très. Hein? Bah, c'est ça, hein, je pense. Hein. Ouais. Petit château avec le petit truc. Voilà. On s'approche. On va se poser. On se repose. Ouais, les remparts. Mais après, on repasse par là pour voir devant. Ça marche. Bon, ouais. Petite pause. Bon appétit. Bidou. On s'est posé sur une table. Voici les renforts. Le Danao Pocket. Double Danao. Laura. Est posé, toujours avec son pis. On est dans un coin, on dirait que c'est paumé, il n'y a personne. Ça, ça doit être le château. C'est bizarre. Watch the flames burn over and over the mountainside.
desolation comes upon the sky. Now I see fire. Voilà, on est rentré de Sillan-la-Cascade. Grosse journée en somme, c'était bien. On a bien rigolé, on a bien aventuré. Je sais pas si c'est. C'est pas grave. Donc voilà, donc vivement la prochaine expédition. On va voir ça, on va essayer d'organiser ça au plus vite. Et en espérant qu'il fasse un peu meilleur et un peu plus beau. Voilà, voilà, des bisous. Bisous.